Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravi d'avoir à côté de moi Bertrand Samimi qui est, salut Mathieu. Voilà, qui est un pote de très longue date puisque ça fait 20 ans qu'on se connaît parce que c'est mon ancien professeur de... Oh, t'allais pas dire ça quand même. De BTS, quand à l'époque où j'étais en BTS audiovisuel à Saint-Quentin dans l'Aisne. Ouais. Voilà, et on a toujours gardé contact, on a même travaillé ensemble, on a évolué, etc. Et aujourd'hui, il est avec moi pour présenter donc un petit bijou, une véritable application qui a été extraordinaire sur iPhone. Il va nous expliquer, il va développer tout ça, principalement sur la vidéo et bien plus. Et je le laisse le soin de se présenter déjà et puis après de rentrer un peu dans le détail de cette application. Cette vidéo va être longue, donc je pense qu'elle va être en trois parties pour pouvoir bien développer parce que c'est important de rentrer carrément dans le sujet pour bien comprendre de quoi on parle. Bertrand, c'est à toi. Mathieu, c'est un vrai plaisir d'être là, cher ami youtubeur. Moi, je suis vraiment ravi, ceux qui sont là derrière leur écran. Eh ben, c'est une véritable opportunité aussi pour nous montrer ce sur quoi on a travaillé. Et comme tu disais, ça fait des années qu'on se connaît, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mathieu, moi je suis, entre autres, aujourd'hui, je suis rédacteur en chef d'une chaîne de télévision. Je suis aussi directeur technique de cette chaîne de télévision locale. On diffuse dans le département de l'Aisne, on est une petite chaîne. Et il y a 5 ans, 6 ans, quand on a démarré cette aventure, je me suis dit, j'étais à Paris et j'ai vu une campagne 4x3 dans les murs. Cette photo a été prise avec un iPhone. Tu te souviens, ouais, c'était de l'époque des 4S. Ouais. Et on voyait des photos, des campagnes 4x3. Je me suis arrêté devant, je me suis dit, merde, le monde est en train de changer. Et maintenant, on montre des affiches 4x3 avec des photos qui sont faites sur des iPhones. Et toi qui es dans la vidéo, réfléchis un peu plus loin. Va un peu plus loin que le monde de la photo. Oh là là, je sens le génie émerger. C'était il y a 5-6 ans. Et puis, on a démarré notre chaîne et j'ai regardé mes équipes. Tu connais le poids des caméras ? Ouais. Qu'on porte quotidiennement, le pied, la lumière, le micro, la productivité quotidienne avec une caméra qui pèse 7-8 kilos, un pied, on ne va pas citer les marques, mais qu'en fait on aussi 7-8, les déplacements, rendent la productivité très compliquée. Et puis on s'est dit, est-ce qu'on est capable d'enregistrer à 25 images par seconde? C'était le premier challenge, il y a 6 ans. Est-ce qu'on est capable d'enregistrer à 25 images par seconde sur des iPhones? Et est-ce qu'on peut commencer à faire sur un iPhone un peu ce que pourrait faire une caméra? On a démarré cette histoire un peu comme ça, un peu en catimini, tu vois, sans rien dire à personne. Et puis, c'est monté. Une fonction, une autre. Et je vais te raconter toute l'histoire rapidement. Comme je suis diffusé à la télé, je passe dans un nodal. Et un jour, le responsable du nodal m'appelle et me dit, Bertrand, il y a un truc que je ne comprends pas. Ton nombre de sujets produits par jour et leur qualité a été multipliée par 10. Tu as des nouveaux subventions, tu as embauché du monde. J'ai dit non, viens, si tu veux, viens, je tourne à l'iPhone. J'ai un truc à te montrer. Et là, l'insulte. J'ai senti le mec tomber de sa chaise et de son nodal et tout ça, et il a dit, je viens. Il est venu, il a vu, et il m'a dit, c'est pas pour toi, c'est pour les autres que tu as développé ça. Et moi, j'avais fait que pour moi, ouais. Pour mes gars, pour que simplement, eh ben, ils aient la banane, qu'ils aient pas un truc de 15 kilos sur les épaules. Dans certains cas, eh ben, quelle est la meilleure caméra? Celle que tu as avec toi au moment où il se passe quelque chose. Mais il faut que cette caméra réponde aux normes techniques et à l'exigence de l'audiovisuel technique. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, 6 ans après, on a une application extrêmement pointue sur le tournage, le montage, le live, la distribution, les imports, les exports, les transferts, les échanges, les accessoires, tout ça autour d'une seule application, tout un chacun aujourd'hui, eh ben, peut être reporter, peut ramener des images, mais particulièrement, il peut les monter, il peut être conforme aux normes de diffusion, et on va certainement en parler ensemble tout à l'heure lorsqu'on le découvrira, ou la semaine prochaine lorsque vous viendrez à nouveau sur cette chaîne. Et cet outil-là va vraiment changer la manière avec laquelle on peut aborder la production mobile. Juste un point, Mathieu, je te le disais en ouverture de ça. Les jeunes naissent aujourd'hui avec un iPhone au bout de la main, avec un téléphone au bout de la main. Dans le prolongement de leur main, aujourd'hui, il y a le téléphone. Et ben nous, on s'est dit, ce téléphone doit être un véritable outil de production. Et on est allé aux limites de ce que le téléphone nous permet aujourd'hui. Et si dans la dernière vidéo, on pourra parler du futur, j'ai plein d'idées que je pourrais échanger avec toi. Oh là là là. Donc, on va découvrir ça. Et ben, cette app, la VLA, donc elle s'appelle
C'était Pro. Ouais. Elle a changé de nom plusieurs fois. Ça veut dire quoi, C'était Pro? Ben, en fait, c'est le diminutif de City Producer. Ah ouais, d'accord. Donc, un producteur des villes. Ouais. Figure-toi que la petite histoire fait que les Américains nous ont dit « Producer chez nous, c'est celui qui tient une ferme. » Donc, du coup, on a changé de nom puisque forcément, c'est une app qui est international, hein, il est disponible par l'intermédiaire de l'App Store CT Pro. Vous tapez ça dans l'App Store, vous allez pouvoir le trouver. Vous allez pouvoir, elle est distribuée sous principe d'abonnement mensuel ou annuel, mais elle est aussi disponible à travers un réseau revendeur professionnel. Ouais. Tout de suite, je vais les citer. Oui, si c'est TRM. TRM à Paris, qui est le revendeur exclusif des applications CT Pro. Si vous êtes professionnel et que vous avez plusieurs journalistes ou plusieurs intervenants, eh ben, vous allez pouvoir prendre un compte chez eux et travailler sur la notion de licence flottante. Un jour, c'est toi qui as la licence, le lendemain, tu en as un autre. Voilà. Et donc, cette application, c'est un concentré de technologie sur un téléphone et on est allé bien au-delà de ce qu'Apple avait prévu de faire dans ce téléphone, mais je pense qu'on va découvrir. Juste un truc, c'est que sur l'iPhone. Uniquement sur l'iPhone. Et alors, tu vas me dire, pourquoi uniquement sur iPhone? Parce qu'il y a tous ceux qui sont sur Android. Mais pourquoi seulement sur iPhone? Parce que je vais vous répondre. Ouais. Pour pouvoir avoir cette qualité de travail, on travaille en temps réel. Il y a zéro calcul. Deux, on va attaquer la caméra pour travailler en YQV et sur la norme ITU 709, REC 709, que tu connais. 108% du signal en luminance. Il nous faut que la luminance dépasse 255. Tu me suis? Ouais. Tu me suis? 108%. Ouais. On va un peu au-delà. Avec la réserve. Avec la réserve. Eh bien, pour pouvoir gérer ça, Android, c'est un système d'exploitation, mes amis. Il y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 26 000, et je les ai comptés un par un, modèles de téléphones qui tournent sous Android et qui fonctionnent aussi bien avec des téléphones à 5 euros, je ne vais pas citer les marques, mais les Wiko et compagnie, et qui peuvent aller jusqu'à des RED. Ouais. On la verra peut-être un jour, cette fameuse caméra sortie sur support téléphone et qui travaille sous une espèce de couche transformée de l'Android. Donc vous voyez que le panel est très large. Ouais. Quand on est développeur, soit on écrit en émulation, ça veut dire que les chipsets ne sont pas dans les machines et on fait ramener le CPU pour faire quelque chose, soit on écrit pour le hardware. Nous, on écrit pour le hardware. L'avantage d'écrire pour le hardware chez Apple, c'est qu'il y a 7, 8 modèles en cours. Ils utilisent tous la même philosophie. Ça veut dire qu'un modèle d'après peut au minimum faire ce que le modèle d'avant faisait. Alors que sur Android, sur ce système d'exploitation, on peut passer d'une gamme à une autre et d'un seul coup avoir tout bousculé, tout changé. Donc, il est impossible d'écrire de manière stable, de manière efficace pour de l'Android. Toutes les applications que vous verrez sur Android, soit un coup sur deux, elles plantent, parce que c'est de l'émulation, soit elles ont vraiment été écrites pour une couche matérielle, les Samsung de telle série, parce qu'on sait qu'il y a tel chipset dedans. Nous, on veut travailler en temps réel, on travaille en H.264 ou en HEVC, on travaille en ITU 709 au niveau de la caméra, on a besoin des outils tels que vous allez les découvrir, Vectorscope, Waveform, Zebra, intelligence artificielle, tout ça c'est présent au sein juste de la caméra, et ben pour que ça puisse fonctionner correctement, on ne parle pas d'Android, mais on parle d'iOS et d'iPhone, d'accord, parce qu'on est dans un cercle, mais vraiment hardware de qualité, on le mesure, et la liaison entre le soft et le hard est gérée par le même fabricant, alors que les autres, c'est un fabricant pour un logiciel, et des fabricants matériels, et des compromis qui des fois sont un peu malheureux, comme les vitesses des mémoires, etc. Vous le savez bien. Alors, fais voir un peu alors quoi ça ressemble. Eh bien, écoute, alors... eh ben voilà. Donc là, vous allez pouvoir le découvrir. Je pense qu'on doit le voir en incrustation là, à côté de nous. Voilà l'application. Je la lance. Elle est d'une simplicité d'utilisation, Mathieu. On veut s'adresser à des gens. Alors, à qui on s'adresse peut-être avant de découvrir. C'est quoi la cible de CityPrix, de CT Pro? Vous êtes une chaîne de télévision. Vous avez des journalistes sur le terrain, vous voulez leur faciliter la tâche et le travail. Très bien. Attention, attention, préambule, si tu me le permets. Quand Apple sort l'iPad, est-ce qu'il t'a dit, tu as un iPad chez toi? Ouais. Est-ce que tu as jeté ton ordinateur parce que tu as acheté un iPad? Non. Apple sort l'iPad et dit, je crée un segment de marché. Et il ne dit pas, jetez vos ordinateurs. Il continue à développer ses ordinateurs. Est-ce que je vous dis, de jeter vos caméras? Non. Je vous dis, si vous avez ça dans la poche, bien souvent, dans plein de contextes, quelle est la meilleure caméra? C'est celle que tu as avec toi. Et quand tu as un outil ça peut te permettre tout de suite de dégainer et de dire, j'y étais moi hier soir sur l'accident, je l'ai vu, j'ai fait l'interview, j'ai fait les images.
C'est ça qui est important. Ouais. On n'est pas en remplacement de ce qui existe. On crée un segment de marché nouveau. Et comme tu le sais aussi, Mathieu, nos téléspectateurs ont quitté la télé. Ils sont maintenant sur des réseaux. Ouais. Et ils veulent de l'image instantanée. Je rencontre des grands groupes et je rencontre des directeurs de la photo qui me disent « Je continue à faire des films beauté pour des clients tels que Peugeot, Renault et autres. » Mais cela, pour ces films-là, il me faut 5-6 jours de prod, de montage, voire plus, des fois bien plus. Mais quand ils sont sur un salon et qu'ils veulent communiquer instantanément, mais avec leur branding, eh ben, ça devient compliqué, eh ben, là, ils peuvent le faire. Ils appellent le directeur photo qui vient le faire sur place, instantanément, 5-10 minutes après, le sujet est accessible et partageable. C'est ça la force de City, la capacité de partager instantanément un contenu, mais avec de la qualité pro, en s'adressant soit à des cadreurs et des opérateurs pro, soit à des gens grand public, et enfin, un peu passionnés quand même, parce que voilà, faut s'intéresser quand même à l'audiovisuel. Bien sûr, dans notre application, on a fait plein de limitations. Tu sais, les oreilles de lapin en virtuel, ouais. Il n'y en a pas ici. Ouais. Il n'y en a pas. Des transitions, je suis désolé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de volet, il n'y a pas de fondu. Parce que dans le monde pro, on n'en a pas besoin. La dernière fois que tu as vu des oreilles de lapin, c'était peut-être sur des réseaux, ouais. Exclusivement, mais pour faire marrer la famille. Ouais. Mais la dernière fois que tu as vu un volet dans un film, c'est assez rare. Mmh. Dans un docu, c'est assez rare. Dans un sujet, c'est assez rare. Donc, en fait, nous, on répond à tout ça. Mais alors d'une manière de faire très carré, très pro. Donc on revient sur la base de qui sont nos cibles, les chaînes de télévision qui veulent simplifier leur production. Alors il y a qui ? Alors, est-ce qu'il y a, là actuellement il y a des chaînes qui utilisent ce procédé ? Bah, je vais me permettre de les citer. Ouais, Canal Plus a des licences et ils les utilisent. Ouais. On a par exemple Bungie, je ne sais pas si tu connais Bungie, c'est une agence de casting entre autres. Et ben tous les castings sont enregistrés avec City Pro. Ouais. C'est la manière la plus simple d'envoyer quelqu'un, d'aller faire des enregistrements de casting et de les sélectionner, de les découper, de les envoyer. C'est très facile à faire. On a France Télévisions par exemple avec la chaîne Noah dans Nouvelle-Aquitaine qui est une chaîne 100% numérique. On a des chaînes locales, Weo, Lille, Amiens, Matélé dans le département de l'Aisne. On a aussi des entreprises, des groupes, par exemple la régie des transports de l'électricité, tu sais, c'est ceux qui gèrent les pylônes électriques un peu partout en France. Et ben ils ont besoin d'outils comme ça. Alors ils sont pas dans le monde de l'audiovisuel, ils ont besoin d'outils comme ça pour faire de la production, mais ils veulent de la production qualitative parce qu'ils ont tous des services. On a des régions, on a des gouvernements, le gouvernement luxembourgeois. On est, je peux me permettre, je vous le montre. Allez, on est présent un peu partout dans le monde. Un truc extraordinaire, tu m'as montré tout à l'heure. Alors, c'est monstrueux, quoi. Alors, vous allez voir, on sort les données internes à l'application, puisque l'application nous envoie des logs. Hein, vous inquiétez pas, on ne sait pas qui vous êtes. Mais grâce à ces logs, on vous scrute pas. Mais grâce à ces logs, donc là, vous voyez la date, c'est du 30 août au 6 septembre. Ouais. Vous voyez voir. Voilà l'ensemble de nos utilisateurs à travers le monde. Putain, le monde entier. Donc, vous voyez que, eh ben, il suffit de créer une application au Kazakhstan. Dans cette semaine-là, du 30 août, il y avait un utilisateur. Si je vais en Chine, eh ben, on avait 5 utilisateurs. Et si je vais, par exemple, en Japon, par exemple, il y en a un que je connais très bien, c'est en Islande. Alors, il faut zoomer un peu peut-être que pour le voir. Ou alors, ils étaient peut-être en vacances cette semaine-là. Eh ben, c'est une chaîne de télévision qui produit intégralement, c'est la télé islandaise, intégralement leur contenu maintenant à l'iPhone. Mathieu, d'expérience, regarde par exemple aux États-Unis, tu vois, on a 41 utilisateurs un peu partout à travers le monde. Et là, on n'est que sur une semaine. Ouais. Et si je borne plus, tu vas voir que c'est l'avantage de ce genre d'outils. T'es présent partout dans le monde grâce à Apple et grâce à l'Apple Store. T'as regardé aussi sur la Lune, non ? Non, pas encore. Mais peut-être. Peut-être. Le mec sur la Lune est en train de... Peut-être qu'il faudrait y aller. Alors, en termes de partenaires, parce que tu as des partenaires qui t'accompagnent dans cette aventure, qu'est-ce qui se passe ? On a qui ? Quoi ? Ah bah écoute, on a passé des partenariats très importants au sein de l'application. Quand je dis que City Pro est un écosystème. City Pro est une solution qui intègre en un seul et même lieu tout ce que vous avez besoin. Gestion de projet, on va travailler dans des gestions de projet, on va créer un projet et dans un projet, on va pouvoir filmer, monter, importer, échanger. Dans le cadre de cette manière de travailler, la première question qu'on s'est posée, c'est quand je suis sur le terrain, comment je fais pour importer des choses ? Quand je suis sur le terrain, comment je fais pour exporter des choses ? On a contacté Dropbox
Et on a passé un partenariat avec Dropbox. Chaque utilisateur de l'application va trouver directement ce qu'on appelle des SDK. Les kits de développement sont à l'intérieur de l'app. Pas besoin de sortir de l'app. On va pouvoir se connecter sur son compte Dropbox. Et sur le terrain, on va pouvoir importer des contenus qui vont directement venir dans l'app. Il s'agit à aucun moment de vous dire, allez dans tel endroit, dans telle application, exportez-le, mettez ci, mettez ça, machin. Tout existe, Mathieu. Des solutions de tournage sur iPhone existent, des solutions de montage existent, des serveurs FTP existent, etc., etc. Mais rien n'existe en mode tout intégré et réfléchi et interconnecté de manière cohérente. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ce workflow, cette manière de travailler que l'on a injecté. Pour aller au bout du bout, on a contacté donc Dropbox à l'intérieur de l'app. On a fait un énorme travail avec le fabricant de cette clé que je vous montre là, qui est une clé Lightning d'un côté, USB de l'autre. On a inséré, fabriqué par Western Digital sous la sous-marque SanDisk que tout le monde connaît. Il suffit très simplement de venir simplement connecter la clé sur le Lightning et on va pouvoir importer de la clé dans l'application, exporter de l'application vers la clé et pouvoir partir sans synchronisation, sans iTunes, sans aucun besoin instantanément. On peut le mettre dans son Mac. On peut le mettre dans son PC. On est absolument détaché de l'environnement Apple. Ouais. Pas besoin d'iTunes, de compte et de ouais, trucs et de ça, machin. Ouais. On met et on peut tout récupérer jusqu'à son montage. Mais voilà. Ça, on le verra tout à l'heure. Voilà. Génial. Ça, c'est au niveau de la clé. On a aussi un partenariat important avec Waza. Waza, pour ceux qui connaissent, c'est l'un des leaders majeurs du streaming audiovisuel, en tout cas de la diffusion et du transport de flux audiovisuels vidéo. Ce que vous voyez sur YouTube ou sur certains sites, alors YouTube ne fait pas appel à Waza, ils ont leur propre infrastructure, mais Waza, à travers le monde, nous donne accès à son cloud, c'est inséré au sein de l'application pour tous les acheteurs pro, je précise bien pour tous les acheteurs pro, vous avez 10 heures de live, inséré directement, et pour la première fois, on fait un one to many. Ça n'existe pas. Ça veut dire un flux qui sort d'un endroit va pouvoir partir, non pas seulement sur Facebook, mais aussi sur Facebook et YouTube, et puis pourquoi pas aussi sur mon site web, et puis pourquoi pas aussi sur un décodeur matériel, et comme ça je vais pouvoir arroser tout le monde d'un coup, parce qu'aujourd'hui, nos utilisateurs sont dans les réseaux, et ils sont dans tous les réseaux, et tous les réseaux à venir. Et ça, c'est notre avantage avec l'incorporation au sein de l'application d'un encodeur, d'un outil live. Alors, ça va très loin le live, on en parlera parce que ça remplace carrément ton car régie. Ouais. Et tu vas voir que quand on fait un live, on ne fait pas juste un live, on fait aussi un play-out engine. Vous savez ce que c'est le play-out engine? Eh bien, c'est un magnéto qui est embarqué et je peux dire mon live, je veux le démarrer avec mon jingle, mon habillage et je ne veux pas démarrer sans rien. Oh, je veux pouvoir lancer des sujets pendant mon live et franchement, ça met un petit coup quand on l'a vu fonctionner. Mathieu, on a aussi, j'ai pas pu l'amener aujourd'hui, créé un décodeur matériel. Ouais. Un décodeur matériel, tu le mets dans ton réseau et tu fais du point à point entre le téléphone et le décodeur, où que tu sois. Et je vais te le dire, la latence, elle est de 2 secondes. 2 secondes de latence. Et on peut imaginer, lorsqu'on est dans un défilé de mode, eh ben, d'avoir un retour sur une vitrine à l'autre bout du monde ou dans toutes les boutiques du monde à partir du moment où on les a soit interconnectés sur notre cloud. Les télés sont aujourd'hui connectées. Elles peuvent aller lire le flux sur notre cloud. Ça appelle, c'est les affaires qui reprennent. Les affaires. Soit on peut aller se connecter sur le cloud, soit on peut faire vraiment du point à point. Ça, c'est les avantages que vous avez, un des nombreux avantages. Au sein de l'application, vous avez aussi des couches FTP. Directement au sein de l'application, on va pouvoir envoyer ses contenus vers ses propres serveurs FTP. Pas besoin de sortir. Quand je dis que c'est un écosystème, un tout monstrueux. Intégré, tout est là. C'est tout monstrueux. Ce que vous pouvez avoir besoin est là. Pour le reste, eh ben, demandez-nous-le. Et puis, en fonction du nombre que vous êtes, voilà. Eh ben, on mettra ça c'est sur la table et on le travaillera. Je vendrai une télé à un aveugle. Et, attends, oh là là, c'est incroyable. Un point supplémentaire. Et notez-le, on est une société française. Ouais. C'est très important aujourd'hui aussi, le Fair France. Et dans l'Aisne. Et dans l'Aisne. Hein, et c'est important de dire qu'au fin fond de la campagne, eh ben, on entre sait, deux betteraves. Entre deux betteraves. Il y a des génies qui ont fait des trucs. Et ben voilà, c'est possible, où que vous soyez à travers le monde, et particulièrement en France, c'est possible aujourd'hui d'être un véritable acteur de développement économique de notre pays
et de notre territoire, là où on vit. Oh là là. Dans les autres accords que l'on a, Mathieu, un téléphone, c'est bien, mais le son est un véritable problème. Comment vous rentrez du son là-dedans, avec quel type d'outils, quel type de câbles et tout ce qui s'ensuit? On a passé des accords particuliers avec un fabricant qui s'appelle Saramonic, qui a fabriqué, entre autres, des interfaces d'entrée-sortie Lightning. OK, jusque-là, c'est eux qui fabriquent l'interface. Ouais. On le branche, l'interface va fonctionner. Mais nous, on a été plus loin. On a dit, un journaliste sur le terrain ou un cadreur sur le terrain, ben, il ne veut pas le son qui rentre. Il ne veut pas écouter le son qui rentre. Lui, il veut écouter le son qui a été enregistré. Sur nos appareils pro, nos anciens appareils, on avait un mode PBII. Pour ceux qui s'en souviennent, sur les magnétos, il y avait un bouton PBII. On est parti de ça. On a dit, dans certains cas, on veut le mode électronique, tout électronique. Ça veut dire, le son, il rentre. Il est enregistré, il ressort, et c'est celui-là que j'écoute dans le casque. J'ai l'assurance qu'il est bon. Et le son, c'est 50% de notre image. Ça, c'est le partenariat avec Saramonic qui nous a permis de travailler dans ce sens-là. On a aussi un partenariat avec Adobe et Apple. Alors, c'est assez perturbant d'avoir les deux, mais ça nous permet d'être la première application qui vous dit « Montez, faites votre ours, exportez sur la clé ». Et reprenez la totalité de votre montage, timeline inclus, directement sur votre Mac, sur votre PC. Et demain, quand il y aura la 5G, eh ben on le fera directement en ligne. On appuiera et on synchronisera ça sur un serveur distant et tu iras le récupérer. Et tu pourras être à l'autre bout du monde. C'est ton ours de montage qu'on reprendra et qu'on continuera à travailler. On pourra donner une deuxième vie. Sur le terrain, on tourne tout de suite, on titre et on va tout de suite sur les réseaux. Je rentre à la rédaction. Je peux faire un montage plus évolué toujours là-dessus ou le donner à mon monteur qui lui va faire un deuxième, troisième, quatrième montage et je vais donner plusieurs vies à ces événements. C'est tout ça qu'on va retrouver au sein de City Pro. On s'adresse aussi bien au monde pro et tu sais que le monde pro est exigeant en termes d'outils. Un monde pro, il ne travaille pas, si je peux me permettre, avec sa bite et son couteau pour quantifier et qualifier des choses. Il veut des outils. Et ben, on a mis les outils Waveform, Zebra, Vectorscope. Ils sont présents dans l'application. Un cadreur pro, il dit, moi, je veux bien quitter ma grosse caméra, mais il faut que je retrouve mes outils. Il va les retrouver dans l'application. Et puis, si tu es grand public ou si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu n'as pas encore cette connaissance, tu démarres, tu es jeune YouTuber ou tu es indépendant, eh ben, tu vas pouvoir utiliser, par exemple, la couche d'intelligence artificielle que je vais te montrer tout à l'heure. Voilà. On va te détecter, on va savoir que c'est toi, on va appliquer diaph.exposition sur ta tête et je m'occupe de rien. Okay. Et l'appareil s'occupe de moi. Moi, mon job, ça va être de raconter l'histoire. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour remplacer les grosses caméras, celles avec lesquelles tu as l'habitude de travailler et qui tu nous régales dans les différentes vidéos que l'on retrouve. Mais on est en train d'ouvrir des nouveaux réseaux. Je vais vous donner quelques idées. Qui sont les cibles ? Je parlais des chaînes de télévision, vous avez compris. Je parlais des indépendants. Un indépendant, il investit, je vais vous le dire, il investit 149 euros sur l'Apple Store ou 129 euros chez TRM. Comme ça, je donne les prix. Il investit ce montant-là. Et ben, grâce à ce montant-là, il a un téléphone. Ça, OK. Mais il a... Enfin, nous, on ne fournit pas le téléphone. Il achète. Mais il a une caméra, une station montage, un outil live et un outil d'échange. Et vous savez que c'est étanche. Vous savez que c'est étanche à l'eau, au sable, à tous les environnements. Et ben en fait, c'est facile. L'agence Reuters, qui est un de nos clients, nous disait, oh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais je le dis quand même, c'est top secret, mais je le dis, que pour toi, pour vous, public. Ils nous disaient que lorsqu'ils allaient dans un pays en guerre, tu sais ce que c'est les déclarations ETA, c'est quand tu arrives avec des équipements audiovisuels, il faut les déclarer et ça devient juste l'enfer. Alors que là, ils viennent avec un téléphone. Ils n'ont rien à déclarer, ils le mettent dans leur poche, ils sont sur le terrain, ils filment. Et si il a été cassé, perdu, machin, ils vont à l'aéroport, ils en achètent un autre, ils remettent leur licence et c'est reparti. Et tout de suite, on peut continuer à produire. Ouais. Et pour une chaîne de télévision, par exemple, la maintenance, elle est totalement réduite puisqu'elle est inexistante sur un téléphone, c'est étanche, c'est quasi incassable. Et si tu l'as cassé, tu prends un Apple Care et hop, c'est Apple qui va se démerder avec ton téléphone. Dans nos cibles de marché, il y a aussi les collectivités. Aujourd'hui, qui n'a pas besoin de communiquer? Qui n'a pas besoin d'être en vidéo? Il y a quelques années, il fallait savoir lire et écrire pour être présent, pour être vu. Aujourd'hui, il faut savoir faire des vidéos parce que si tu ne fais pas des vidéos sur les réseaux, tu n'existes plus. On essaye d'être un acteur pour sauver les... être présent. On verra aussi qu'il y a plein d'accessoires. Oui. Dans une troisième vidéo qui paraîtra après, il y a plein d'accessoires qui viennent compléter. C'est pas...
que juste je peux montrer en avant-première, juste pour donner envie. Regardez ça, vous ne l'avez jamais vu, vous le verrez nulle part, parce que ça, c'est du top secret. Oh là là. Et c'est exclusif pour toi, Mathieu. Et puis des petits micros, des objectifs, un micro, etc. Bref, plein de trucs. Donc, on va le découvrir. Donc, c'est pour ça, j'insiste, il y a 3 vidéos là-dessus, parce que je sais que c'est compliqué de faire une vidéo qui dure 1 heure. 3 vidéos, ça fait très longtemps que j'avais envie de présenter donc Bertrand et ses accessoires et son application, parce que je trouve que véritablement c'est une véritable révolution et ça mérite qu'on y prenne le temps, qu'on fasse 3 vidéos, que ceci, ça, parce que moi j'ai jamais rien vu de révolutionnaire depuis quelques années en termes d'évolution de la technologie vidéo, quoi. Une offre, Mathieu, que je peux faire là devant la vidéo. Vous êtes professionnel, vous désirez tester, vous contactez TRM à Paris, ils vous offrent un compte, ils vous ouvrent un compte et ils vous offrent 1 mois de démo gratuit, sans argent à dépenser, exclusif pour vous. Vous appelez TRM de la part de la chaîne de Mathieu et vous aurez, si vous êtes professionnel, 1 mois de test gratuit et vous pourrez vous-même faire votre idée. C'est top ça, non? Oh là là. C'est top. Et en plus, on fait des cadeaux. C'est gratuit. Bon, allez, à la semaine prochaine pour qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. C'est déjà fini, Mathieu? Mais oui, mais parce que sinon, les gens, ils s'en vont après. Les gens, restez à la semaine prochaine. Restez pour la prochaine vidéo parce que là, on va rentrer dans le téléphone, on va regarder tous les outils et c'est monstrueux. Ça vaut vraiment le coup. C'est... On rentre là-dedans tous les deux? Ouais, on rentre là-dedans. Ça n'a rien à voir et ça n'a rien à voir avec les autres applications vidéo qu'on connaît. Exactement. Voilà, qu'on s'amuse à faire des petites vidéos avec. Ça n'a strictement rien à voir. C'est totalement révolutionnaire. À bientôt. Abonnez-vous. Un bon pouce bleu pour le bon Bertrand. Et à bientôt. Ciao.